aujourd'hui, je suis venu au siège vraiment régional de Koury à Kolda pour vraiment présenter la banderole et le t-shirt et surtout remettre un don de poubelle symbolique dans le cadre du festival Kolda Belleville. Et cela entre dans surtout la promotion du single Sargal Koury que j'ai initié vraiment en solidarité à la vision de Koury, qui est vraiment une institution financière qui est en train de contribuer au développement du Sénégal, donc dans toutes les régions. Donc on va lancer une tournée à partir du 11 juin à Thiès et on va revenir à Kolda pour le jeudi 16 juin. C'est une tournée de deux dates pour vraiment faire une dédicace du single Sargal Koury et vraiment honorer vraiment l'appui de Koury Microfinance. Donc je suis venu vraiment chez le chef d'agence Alou Sénikan vraiment pour le présenter. Non seulement d'abord de remettre un don de symbolique de poubelle du festival Kolda Belleville, en même temps présenter la banderole avant qu'on aille à Thiès après-demain pour le programme de samedi. Voilà, c'est moi qui ai dédié une chanson lors de l'inauguration de ce bâtiment que vous voyez derrière, de ce bijou qui contribue au développement de Kolda, à l'embellissement de Kolda. Je me suis inspiré, j'ai dit mais pourquoi pas faire une chanson, car je suis moi-même client de Koury, je suis sociétaire, et que j'invite tout le monde à vraiment être client de Koury car c'est très important. Car c'est une institution qui contribue au développement. J'invite toutes les populations de Kolda à aller s'inscrire à Koury. Ça, c'est le Zico qui dit ça. Et que ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils font partie des meilleurs quand même. Et que je dis aussi, c'est un single que j'avais dédié lors de l'inauguration. On avait fait une prestation. Donc vraiment, j'en félicite le directeur général, Mamadou Lamine Gueye, et toute l'équipe de Koury Microfinance, dans toutes les chefs d'agence, tous les chefs d'agence aussi régionaux. Voilà. Donc, M. Kan a l'honneur vraiment de recevoir aujourd'hui ma visite dans le cadre de cette tournée. Moi, Koury, je l'entendais parler avec des amis comme Boris Diallo, comme vraiment Philippe, qui est un ami souvent. Donc, il me parlait de Koury. Je dis, ah, pourquoi pas aller m'inscrire à Koury, ça fait longtemps, 2-3 ans. Après, bon, quand je suis membre de client de Koury, voilà. Ils m'ont parlé de l'inauguration. Quand je passais ici, je voyais un chantier. Quoi. Je dis, mais il y a quoi? Il y a Koury qui fait. Je dis, mais une microfinance qui a ce bâtiment? Non, ça c'est un exemple pour tout le Sénégal. Quoique le président de la République devrait féliciter cette institution financière et que vraiment la renforcer. Car c'est un modèle de développement. La microfinance qui a un siège comme ça, c'est pas vu partout en Afrique. Donc c'est à féliciter. C'est pourquoi j'ai chanté. Sans rien attendre, vraiment, ils m'ont soutenu aussi de leur pouvoir, vraiment. Donc c'est pas que sans le soutien, moi j'aurais mis mes mots parce que c'est à féliciter ça. Voilà, après dans la chanson que je vais vous faire écouter, vous allez sentir que Koury Microfinance, yenengi jappale jigen ni, yenengi contribuer au développement du Sénégal, yenengi souhait baykati, ils sont surtout dans le monde rural aussi. Ils sont une institution microfinance qui est plus présente dans le monde rural, car le monde rural n'a pas facilement d'accès dans la microfinance. Mais Koury a vraiment une innovation d'aller surtout à s'implanter aussi dans le monde rural. C'est ce qui vaut que moi je dis qu'avec Koury, on peut espérer l'émergence. Parce que leur style et leur système vraiment est innovant et ça va droit surtout vers le monde rural qui est 60% de la population sénégalaise. J'ai reconnu juste ça fait 4 à 6 mois. Donc c'est un honneur pour nous qu'ils viennent ici nous remettre une poubelle symbolique pour en fait lutter contre les saletés de la ville. Donc nous sommes très honorés de la visite de Zico. C'est une relation entre banque et client. Parce qu'ici, il est membre de Koury Microfinance depuis, je pense, 2018 ans, hein, quelque chose comme ça. Lorsqu'il a entendu que Koury va ouvrir ce siège, il a dédié un single à Koury Microfinance et le single a été très apprécié par la direction générale, en particulier par toutes les personnes de Koury Microfinance. En fait, ce single va nous permettre un peu de là, parce que Koury travaille dans l'ombre. Toutes les actions de Koury, c'est dans l'ombre. C'est en fait, je veux faire ressortir les actions de Koury dans le monde rural, pour les femmes, pour les jeunes, pour toute la population sénégalaise. Nul n'est exclu à Koury Microfinance. Donc, ce single va nous permettre un peu de montrer nos actions, nos bonnes actions dans le secteur de la microfinance, en particulier à Kolda. Koury Microfinance, une des meilleures institutions de microfinance de la place. Ce que nous appelons à la population koldaise, de un peu faire des efforts pour rembourser les crédits, parce qu'on a des difficultés pour rembourser des crédits. Et les crédits sont accordés à tout, presque, je dirais, très compétitifs comparé aux autres.
Donc nous appelons à la population coldoise, lorsqu'on leur donne de l'argent, qu'ils viennent rembourser, surtout par rapport au niveau de l'agriculture. On a énormément de difficultés, on a beaucoup d'impayés dans les zones, surtout dans l'agriculture, pour récupérer notre argent. Et c'est ce qu'on appelle le overdue, parce qu'on récupère cet argent pour refinancer encore d'autres. Si on n'arrive pas à récupérer cet argent, donc on n'arrive pas à récupérer, ça va ralentir notre financement par rapport à la population.